Les secrets des premières pyramides. Ah non, je sais pas ce que je vais faire comme question. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'ils nous font pas juste un confinement? Et puis un curvé niveau 3, c'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai ces trucs-là qui pop d'un coup que j'avais pas avant? Vous savez, les streamers mettent les coefs aussi. Ah mais non, en fait, là tu demanderais quand même à une société comme Twitch de faire preuve de bon sens, Izzy. Tu en demandes beaucoup trop. Hein? Tu en demandes beaucoup trop, Izzy Salt. Le goût de la piqûre. Ah oui, non, ça c'est vaste programme. Ko parlait hier de ça et du fait qu'il ait proposé une base de son pour les streamers, ou au moins les streamers ont proposé les banques de son. C'est vrai que quand t'es coquin d'âge, tu peux faire ce genre de choses. Trouver Merkès le lettré. Hier, je suis plein de récompenses de clubs sur Régine. Bah ouais, moi aussi, là, regarde. Pourquoi ils t'ont tout filé What? Ils m'ont tout filé? Ah, que Twitch allait mettre ça en place. Ah merde, attends pour moi. Son track, ils vont alimenter avec des sons posés par les streamers. Ouais, je pense que ça a pué du cul, alors, son track, mais bon. Ouais, moi aussi, j'ai reçu plein de trucs, là, sur Origins. Alors, pas écouter, on va s'en plaindre, hein. Ça me va, hein. Ah! Les garçons se réveillent. Alors. Non. Les vieilles portes, c'est pas la folie pour la... Pour la discrétion, les vieilles portes... On a tous notre chambre, et à chaque fois que quelqu'un va pisser ou autre, tu l'entends. La base de son est pas terrible pour le moment, full stuff. Bon après, oublie pas que c'est des pas des trucs de ouf, hein, soit. Et salut à Zélo, oula. Et c'est ça, ouais. Ah oui, ça y est, tiens. Parce que c'est des débiles. Et coucou Atrix, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre ça. J'ai mis à jour Atrix, hein, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Il y en a qui sont un peu donnés. Mais ouais, donc la commande saga est disponible. Bonjour Irvin. La commande saga est disponible. Ça c'est chouette. Bonjour monsieur. Ouais, tout le monde l'a entendu ce matin. Et passer, faire son boulot après, ça marche. Problème de droit d'accès. Mais logiquement, il n'y a pas un bouton pour... Ah oui, non, mais il y a des trucs très débiles avec les jeux vidéo. Alors en fait... C'est normal que le stream soit en 720p. Oui. T'as pas tout suivi, toi, récemment, hein. J'ai les potes à la maison, donc comme on est plusieurs sur la connexion, et notamment Natamania qui peut stream, je serai en 720p. Après, ça reste quand même joli. Il y a un bouton pour demander accès, mais à 200 personnes... Non, mais c'est pas normal qu'il y ait un bouton pour demander accès. Il a dû oublier un truc. Après, ça, pour proposer, il a dû oublier. Soit il a pas fait le formulaire, soit t'as raté le formulaire à Daralex. On va voir, attends, est-ce que Daralex nous fait l'info de chat, ou soit t'es proposé un nouveau jeu ici. Je l'avais linké il y a pas si longtemps ça. Ouais, deux prix Nobel d'économie. Et c'est pourtant les prix Nobel d'économie. C'est qui avait effectivement... Et à ce moment-là, Castex, il avait écrit « Non, non, ça va aller. » Franchement, large, tranquille. Épouse. Bon, j'avais écrit à ce moment-là dans le Discord, je m'en rappelle, je l'avais link. Imagine, tu penses mieux connaître l'économie que deux putains de prix Nobel d'économie. Pas mal. Faut avoir des balls, hein. Faut avoir des balls. C'est ça se tente. Qu'est-ce qu'il me veut, ce matin? Et donc voilà, Irvin. Ah oui, le confinement de décembre. Yep, c'est que Jean Castex se disait tranquille frère, ça va le faire. Pépouse. Attendez, non, attends-moi, toi. Viens par ici. Bah viens par ici, enculé, je veux bien venir par ici, mais faut que t'arrêtes d'avancer, connard. Et je vais fumer. Hein. Toujours le bug, hein. Toujours le bug. C'est insupportable, hein, ce bug. Je sais pas d'où ça vient. J'adorerais savoir, hein. Nous,
Comment monter sur la barque? Ah, ça y est. Et voilà, c'est bon. Ah, parce que là, j'ai eu pied. Je t'en prie, assieds-toi. What? Mais non, mais... Je comprends pas, attendez. Mais non, mais... Mais prends-lui la quête, putain! Je t'en prie, assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. Mais... Je t'en prie, assieds-toi. Ah. Ok. Tu m'accepterais comme compagnon de voyage. Je me choisirais un titre. Comme Thoutmôsis le Redoutable. J'ai l'habitude de voyager seul. Oh, bien sûr. Tu as appris ce qui se passe au palais. Ces sales grouilles de crocodiles. C'est terrible. Il y a eu tant de morts. On me paie pour tuer ces bêtes, mais quelqu'un verse du sang dans l'eau pour les exciter. Et tu as besoin de mon aide. Oui, oui. Un Medjay aussi viril que toi ne ferait qu'une bouchée de ces crocodiles, si j'ose dire. Tue les crocodiles qui sont près du palais et je te donne la moitié de mes gains. Qu'en penses-tu, Medjay? Je sais tuer les crocodiles. Ça me va, ça nous fera des pots de crocodiles, écoutez. Il est chelou le mec par contre, hein. Medjay le... Majestueux. Medjay le... Peu importe. Mon grand rêve, les Santiago. À la périphérie nord de la ville. Retrouve-moi là-bas ce soir. C'est la voix d'Ayoros? Ah, je l'ai pas reconnu, eh. Grotte rime avec juge. J'aurais pu faire la rime. Je vous en regarde, Alex. Alors, est-ce que coucou Tartique, au moment des vacances, serait capable d'attribuer la baisse? Alors, je tente pour l'exclamation à Ayoros. J'ai pas compris la blague. Saga. Ah putain, Saga. Saga, un cheval zodiac. Oh mon dieu. Ah, ça, c'est vraiment la blague de boomer, ça. Oh là 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 là. Tu les fais peut-être pas de tronche, t'es 40 ans, mais alors dans tes blagues, ça se sent. Hein. Bim. Aïe 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 aïe. Bon, on va aller fumer du croco. Hein. Ah là 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 là. Je suis encore. Bah oui, je suis un boomer aussi. Moi, je fais pas de blagues par contre. Ah, mec. Dieu crocodile lui-même ferait moins de dégâts. Ils sont bien plus agressifs que d'habitude. Ok, 2-1. Ok. Trois. Et 4. C'est bon? Ouais, ok. Cette pile de crocodiles devrait être assez haute pour toute Moses. On va les récupérer. Pourquoi j'ai une icône de cerf? Oh non, il déteint sur moi. C'est quoi ce bazar là? Bonjour Jemla, comment ça de Pierre? Bon, j'ai du cul rigide, c'est tout ce qui compte. Ah, c'est insupportable de pas pouvoir. Ou alors on peut peut-être juste pas escalader quand on a pas pied dans l'eau, hein. Peut-être, je vois que ça, hein. C'est insupportable par contre, hein. Regardez, je ne peux pas. C'est un truc de fou. La seule manière dont j'ai d'escalader un truc, c'est si j'ai pied. Ouais. Peut-être qu'on peut juste pas en fait, hein, dans le jeu là. Je sais pas. Witcher, il escaladait plein de trucs, Witcher, j'en veux même plus. Je me rappelle même plus. Et salut N3, ça fait un bail. Enfin, je t'ai vu un petit peu hier pendant les OS Games, si on s'est senti avant. Donc, bonjour à toi. Alors, de nuit, allez voir Thoutmôsis, le chasseur crocodile. On va aller. Tu as tué beaucoup de philatèles. Philakek. Je crois, j'en ai tué le gigantesque nombre de 0. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, j'ai pas encore commencé les filles à cake. Alors, Thoutmôsis. Ce que j'ai devant les yeux me remplit de frayeur. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Mimi? Le domaine du palais est rempli des morts de Sobek. Tu as vu? Dans le bassin, des morceaux de corps humain pour attirer les crocodiles. Oh, quelle horreur! Mais pourquoi? Qui sait ce qui pousse certains à faire le mal? Je suis arrivé juste à temps pour voir deux personnes charger des corps dans des bateaux et s'en aller. Ah, c'est sympa, ça. Mettre fin à ces méfaits. Je n'en attendais pas, moi.
moi, ton loyal compagnon... Oh, il est insupportable. Je vais te dire où sont allés ces fauteurs de troubles. L'un est allé vers le palais, et l'autre s'est rendu au temple de la T'as tué les Gimla? J'ai pas compris. Ça, voilà, on a encore une blague terrible. Comme promis. C'est terrible. Alors, trouver assassiner les deux criminels. Tu as la vie facile, non? Ce que j'aime bien par contre dans le jeu, hein, c'est que la présomption d'innocence, elle est aux chiottes. Hein. Là, le mec te dit tu les tues, je les tue. Simple, classique, efficace. Il n'y a pas trop de remise en question en fait, vous voyez, sur qui va prendre cher. C'est assez rigolo. Comme la justice de Twitter, c'est à peu près l'idée. Eh, hey, ils étaient déjà aussi demeurés que les cassos de Twitter. C'est ouf ça. Les SJW. Alors, salut Papsen, comment ça va? Ok, alors attendez, l'un d'eux est sur le fleuve. Bah écoute, j'espère que ça va mieux, N3. Attention, il y a des filacs à proximité. Ah oui, ah mais c'est le bélier de fer en plus. Lui il va m'emmerder, il est sur son chariot là, il va me casser les couilles lui. Il va me casser les couilles. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Attends, on va l'approcher discrètement. On va voir. Nage discrète. Non, mais non, je vais juste faire la nage. Bon, ceci dit, ça peut... Sous l'eau, ça passe aussi. Il va pas comprendre. Oh là là, cette attaque d'une furtivité sans... J'arrive pas à remonter. Putain, quelle galère. Coucou. Et voyez, on peut pas monter. Ouais, c'est ça, on peut pas monter si on a pas pied, quoi. C'est un truc de ouf. Résultat, le mec, il est détendu, hein. Je peux pas l'approcher, j'ai pas pied. Il me faudra un arc, je le fumerai, je le one-shotterai à l'arc, mais comme j'ai pas de flèche, et eh ben c'est ridicule. Dragonix, t'arrives à escalader les trucs quand t'es dans l'eau ou pas, toi? Tu vois, là par exemple, hop, j'ai pied, je vais pouvoir monter sur sa merde. Toi, t'arrives à monter. Et eh ben écoute, on est bien d'accord que tu fais O et A. Enfin, en gros, tu vas en avant et avec le bouton A. Y a pas un autre bouton mystérieux. Ah, excellent. Beau combat ça. Al sur PC. Bon, je sais rien. Ok. Ah, faut que je confirme sa mort à Jean-Mimi là. Ouais, ok. Voilà, on va aller faire l'autre. T'arrives. C'est un bug. Ça passe ça normalement. Oula, j'ai rien compris. Non, y'a plus les gâchettes maintenant, c'est pour viser et taper et tout, c'est pour ça. Ah donc c'est bien un bug hein, et c'est... je ne peux grimper en fait sur un truc que si j'ai pied. C'est un peu limitant. Ça rame sur le live. Attends, les dites hein, faites voir. Ah oui, il y a des pertes d'FPS sur le live. Alors depuis quand le jeu n'arrive plus à tourner correctement sur le live? Alors celle-là elle est pas mal. Et maintenant il y a du drop. Ah bah on est bien là. Là c'est bon, on est pas mal. Pourquoi il y a du drop alors que je suis seul sur la co? J'en sais rien. Ok, putain. Je vais repasser avec la puce free, moi, dans pas longtemps. C'est triste à dire, mais free, c'était quand même plus stable que orange. Hein. Et déjà, à l'époque de par là, ça cassait les couilles. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais putain. C'est vrai que t'as pas de problème. Ou alors je me ramène avec un truc, je me mettrai là-haut après, une fois que vous êtes parti. Alors, ça c'est Pookie. Hein. Ah, mais dans le doute, c'est toujours Pookie. Hein. Après, le drop c'est pas dramatique. 60 FPS, ok. Alors attendez, moi j'aimerais comprendre par contre. Comment ça peut. Ah, mais c'est le processeur qui se fait éclater là aujourd'hui. Pourquoi le processeur se fait éclater? Je suis 87%, putain. Oh là là. Attends, il y a deux secondes, on va checker un truc. On va booster ça déjà. Ok. Non, la carte graphique, elle est à 2000 MHz. Ce qui est pas dégueu du tout. Elle tourne bien. Tout va très bien à ce niveau-là. 52 degrés, c'est bon. Ah, c'est le proco. Attends, est-ce que c'est bon maintenant? Non, il y a effectivement des baisses de framerate. Salut N3. Non, non, mais alors, N3, putain, pitié. Oh là là, pourquoi quand vous revenez, vous voulez... Oh, putain.
Le jeu fonctionne encore très bien. Salut Téléprince. Le jeu fonctionne encore très bien avant-hier. Donc y a pas de. C'est pas une question d'unvank ou autre. Ne jamais streamer unvank. Quand on a la possibilité. Non, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Ouais, non, ça. Oh là là. Pourquoi ça déconne aujourd'hui? Hein? Attendez. Je crois savoir. Si c'est... Mais pourtant, non, je l'ai fait qu'il se lançait quoi qu'il arrive en administrateur. Ouais, pourquoi le Proco est à 100% aujourd'hui sur lui? J'ai laissé ça comme ça. Oui, c'est toujours un fin d'accord, j'ai laissé ça comme ça. Je relance, j'arrive. A tout de suite. Bon, ça éclate quand même toujours le processeur, mais logiquement, le framerate devrait se stabiliser. L'un des chiens responsables des attaques de crocodiles. Vous pouvez faire F5, si vous pouvez coller le F5, s'il vous plaît. Non, pas monter, diriger. Et j'ai vu que Tartic, où j'essaierai de pour les touches, j'essaierai de voir. Contrat de service. Ceci constitue le contrat relatif au service de Tuyu et de Jennifer, connu sous l'appellation des jumeaux. Les jumeaux s'engagent à semer la mort et le chaos à proximité du palais d'Apriès. Ils le feront par tous les moyens envisageables, nous souffrirons mot de ces moyens. Le paiement connu s'élève à 57 000 drachmes, le lézard en versera la moitié d'avance. Ah, donc c'est toujours cet enculé. Hein. Je crois que les enfants de Sobek seront plus calmes. Et j'ai trouvé d'où ça venait, hein, la problématique. C'était un truc tout con. C'était un truc tout con. Logiquement, effectivement, si vous êtes un petit F5, hein, ça doit être tout bon. C'était tout con. J'attends que les gens retiltent pour le live avant de l'expliquer, parce que sinon, on va me le demander 14 fois. Ah, le matin, c'est dur. Hein. Le matin, la patience, c'est vrai que c'est dur. Mais là, ça, j'ai trouvé un stand, donc je suis content. J'ai trouvé un stand. Pas si simple le métier de streamer. Pas si simple. C'est vraiment ce qu'on pourrait croire. 14, pourquoi pas 15 d'ailleurs. En gros, donc pour les curieux, c'est à cause de hier. Vous savez, hier j'ai fait donc les OS games, ce qui fait en fait que je capturais l'écran. Donc là j'avais une capture d'écran et capture de jeu. Donc en gros, le jeu a été généré deux fois pour faire simple. Donc forcément, déjà qu'avec des nouveaux, c'est la galère, donc bon. Déjà qu'avec des nouveaux, une fois, ça peut arriver à galérer. Alors heureusement, pas pour moi avec mon matos, encore heureux. Mais par contre, effectivement, capturer deux fois, là, matos ou pas matos, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué, résultat, là. Voilà. Du coup, ça gratouille. C'est ça. Le CPU, alors il était déjà à 100%, tu vois, mais il était à plus de 100%, quoi. Là, on est logiquement, ça va être impeccable. Hein. Enfin, moi, chez moi, j'ai un retour à 60 FPS impeccable. Donc, vous devez l'avoir aussi. Et pour les drop frames, c'est bizarre parce que Natamaniac en a pas eu quand elle a streamé. Il y a que moi. Donc, il faudrait que je trouve d'où ça vient, ça, par contre. Pourquoi est-ce que moi. Alors, j'ai des tout petits drops, hein, j'ai moins d'un % de drop, donc c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que si Nat en a pas, pourquoi est-ce que moi j'en aurais, quoi? C'est injuste. C'est pas injuste. De toutes les formes et de toutes les tailles. Des pains en forme de double couronne. Alors. Bonjour mon ami. Du pain pour ta bien-aimée? Non. Merci. Pourquoi tu siffles une malédiction entre tes dents? Le mage qui me les a vendus m'a dit que je devais les réciter 200 fois par jour. Comme je ne peux pas le faire en dormant, je le fais au travail. Mais c'est difficile de cuire du bon pain en ayant perdu son goûteur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Salut Akamax, bonjour à toi. C'est la faute au régime. On l'a arrêté parce qu'on n'a pas payé l'impôt sur les épices. Et maintenant, je n'ai plus de pain. On dirait que ce n'est pas un mage. Le régime va jusqu'à opprimer une boulangère. Ah bah, vous êtes tous unis maintenant, moins de 3. Au pire, si t'as pas la flemme de les faire, tu peux les voir dans la collection. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Aujourd'hui, je vous dis, on a 12 heures de live au programme. Putain, ou plutôt 12 heures de programme continu. Ou presque. Salut Tipex. Vous voyez ce qu'on s'est rendu compte, c'est, Lucas? On a oublié d'acheter et de télécharger Phasmophobia. Moi je l'ai téléchargé. C'est vrai? J'ai
Enfin, après, t'es avec tes surbibous, donc toi, tu peux le continuer à le dél, là, si tu veux. Lucas, c'est le seul qui est pas trop con dans la bande. Tristesse. Hein. Tristesse, tristesse. Voilà. Je n'ai aucune flemme, j'ai un peu moins de temps en ce moment, et surtout... Ah bah, il met dans Odyssée... Oui, mais après, c'est pas... Est-ce que c'est un mal? C'est quand même, toi, très chouette, à... c'est pas... ça prend du temps, mais c'est pas un mal de parcourir ces jeux. C'est ça aussi qui fait leur charme, c'est le fait qu'on ait un grand monde ouvert, tu vois, à parcourir, à explorer, les quêtes secondaires rigolotes, enfin, c'est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt sympa, généralement. C'est toi, l'auditeur ? Oui, c'est moi. Teta, la boulangère, m'a demandé de te ramener. Ma belle Teta. Le mec, je viens de quand même. Le mec dans le chariot, je viens quand même de lui piquer son. Je me languis et je me meurs de faim et d'amour. Je viens de lui piquer sa proie, péter la porte de son chariot, il a rien remarqué. S'il le faut. Un peu sourdingue. C'est ça, mais c'est pas un mal, hein, Dragon X. Le... À partir du moment où vous vous amusez, c'est le principal, quoi. Marcher. Je ne peux même pas tenir debout. Vraiment. Mes forces. Je les tiens de la belle Teta. C'est-elle au moins ce que tu ressens pour elle? Je n'ai jamais trouvé le courage de lui avouer mon amour. Et je suis un homme recherché. Oui, j'ai vu. Tu n'as pas payé l'impôt. Ça n'a rien à voir avec l'impôt. Je te dirai tout quand nous serons auprès de Teta. Oh là là. Oh là là, il me saoule avec ta Teta là. Son visage est un soleil d'été. Teta. Teta. Je vais ramener mon goûteur. Pas en forme le goûteur, hein, ceci dit. Hein. Pas en super Cet forme. Cet homme a quelque chose à te dire. Ah bah attends, il peut tenir debout, cet enculé. Teta. Je t'aime. Quoi? Et j'ai découvert un complot visant à empoisonner Taïmotep, la bien-aimée du grand prêtre. Quoi? Quoi? Dame Taïmotep adore notre pain et nos gâteaux. Cela fait 5 ans que nous en livrons au grand temple. Mais voilà, hier, j'ai entendu un garde affirmer que les gâteaux de cette décade étaient empoisonnés. Est-ce qu'ils ont été livrés? Je l'ignore. Sinon, ils sont entre les mains de la garnison. Alors, ça va, c'est le matin. Je suis plus habitué à être là le matin, mais on gère. On gère. Alors, tac. Bon, alors, où sont les jarres de gâteaux empoisonnés, hein? Heureusement, moi, j'ai les gâteaux pas empoisonnés chez moi. Tout va bien. Sinon, ça serait dramatique. Ok. Bon, je pense qu'il faut se rapprocher après. On va trouver ces jarres-là, ça sera déjà pas mal. C'est rigolo. Ah, c'est bien, ils ont mis une petite image de la jarre. Comme ça, on est sûr qu'on se gourre pas de trucs. C'est pratique. Ikaru l'aigle, c'est ça. Non, là, elle s'appelle... Oh, j'ai oublié. Mais non. Oh, putain. Elle s'appelle... Sinu, c'est ça, merci. Elles sont légères, bordel. Faut que je pèle vos jarres empoisonnées, sinon vous allez tous crever, bande de cons. C'est bon con, celui-là. Ah, du graphite. Ah, mais c'est un fort, ici. Ah, merde. J'y suis allé comme un bœuf alors que c'est un fort. Ah, oh, je suis un connard. J'ai un peu fait le connard, là, en fait. J'avais pas fait gaffe. Oh, c'est dur, le matin. Bonjour.
Je suis arrivé. Non, 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 non. Assurer qu'ils n'empoisonneront personne. Non, non. Il y a un mec qui était... Eh putain. Tu es pas intéressé par E3DE. Je pense que ça va être Age of Empires 3 Definitive Edition. J'en ai absolument rien à foutre. J'aime pas les STR. Est-ce que ça répond à ta question Version hardcore du Ok, c'est un fort. On va y aller un peu plus mollo. Parce que bah, les forts, voilà. C'est un peu l'idée, ouais, j'ai pas trop fait gaffe. Oh la vache, y'a du monde en plus dans ce soir, putain. Ça en fait du connard au mètre carré. Hein. Bon. What? Ah bon? Tu m'avais vu trahir la version du 1. Oh là, oui, ça remonte ça. J'étais curieux pour la nostalgie, mais non, c'est mon délire. Oh là là! Par contre, j'aimerais bien. En fait, ça, vous voyez, c'est un truc qui est. Ou alors j'ai raté quelque chose. Mais je vois pas de minimap, déjà. Alors, soit elle s'est pas. Soit il y a un bouton pour l'afficher à minimap et elle s'est pas affichée. Et parce que. Et donc, je vois pas, en fait, vous voyez les. Oh, oh putain, mais non. Allô?